Alors, Frère Patrice, on arrive au terme de notre émission, de cette interview. Alors, avez-vous un message particulier à dire à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui auront l'occasion de suivre votre message dans ce nouvel album, Munduki, à tous ceux qui vous suivent aussi depuis tant d'années? Ouais. Merci pour... tous ces temps, je sais que vous êtes très occupés, mais quand vous avez découvert que c'était votre bien-aimé Patrice Ngoy Moussou qui est en train de parler, vous avez essayé quand même d'annuler certaines courses, que Dieu vous bénisse à cause de ça. Je vous dis que le moment est arrivé, que vous allez chaque fois nous suivre à partir de ce site. Croyez que vous ne serez jamais déçus avec Dieu. Vous aurez parfois beaucoup de questions à poser parce que nous venons de sortir la cassette Munduki. Écrivez-nous, l'email est là. Je n'ai pas besoin de distraction. Je promets aussi, parce que dans les choses de Dieu, le diable est toujours derrière là pour chercher à utiliser des gens pour nous distraire. Mais je vous promets que celui qui pose une question pour une distraction, pour dire n'importe quoi, je vous préviens déjà que tu n'auras jamais de réponse. Donc inutile d'écrire, inutile de nous envoyer le message. Mais si je vois que la question vraiment est bonne, là vraiment, Dieu va inspirer aussi une bonne réponse, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs de chacun de nous. Si la question est posée non avec une mauvaise intention, croyez que le Seigneur va donner une réponse. Mais si ta question est là pour piéger, pour sonder, et parce que tellement que la démocratie est devenue partout, donc tout le monde se permet à parler même des bêtises, à créer des histoires qui n'ont pas de preuves, ainsi de suite. Donc croyez que là, vraiment, je ne vous réponds pas parce que je vous respecte. Parce que je vous respecte, je ne vous réponds pas. Toutes les cassettes, parce qu'il y a des gens qui m'ont toujours demandé des cassettes. Toutes les anciennes cassettes, on est en train de les travailler, de prendre ça, parce qu'il y a des gens qui veulent prendre des numéros 1 jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à Munduki. Et vraiment, vous serez servis, ne vous découragez pas, écrivez-nous. Chaque fois, il y aura aussi une rubrique en ce qui concerne les cassettes, je crois. Mm-hmm. Voilà, il y aura une rubrique des cassettes. Et vous serez très bien informés. Si aussi la chose n'est pas mentionnée dans notre site, essayez de nous écrire, ça va toujours nous donner l'idée de savoir améliorer pour que votre besoin, soit votre problème, puisse trouver solution. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Toutes nos adresses sont là. Inutile de beaucoup parler, mais désormais, comme j'ai dit, on va essayer de vous donner des messages quotidiens, puis des programmes de voyage, programmes de prière. Une chose, je vais vous dire, par exemple, chez nous, à Kinshasa, là où nous prions, mon homme l'Éternel a un programme universel, un programme international. Tous les enfants de mon âme l'Éternel, ils sont en jeûne. Chaque premier jeudi du mois et dernier jeudi du mois. Là, nous prions pour le pays. Nous prions pour tous les enfants de mon âme l'Éternel. Nous prions pour tous les Congolais qui sont en prison. Nous prions pour donc soutenir tout sauf rien. Nous avons toute une liste de requêtes que nous adressons à Dieu. Je vous assure que Satan n'est pas fort. Si Satan était fort, il allait chasser Dieu au Congo. Mais jusqu'à présent, il n'a jamais chassé Dieu au Congo. Dieu, notre Dieu, agit jusqu'à présent. Donc Satan n'est pas fort. C'est pour te dire, ne te décourage pas des problèmes que tu as. Jésus-Christ est là. Désormais, tu seras servi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.